Père, nous te saluons ce matin et nous te rendons grâce pour le privilège que tu nous fais d'être là. Père, nous venons tels que nous sommes ce matin. Nous venons parce que tu as manifesté envers chacun de nous ta bonté et ta miséricorde. Et de même que les cieux célèbrent tes merveilles, nous aussi ce matin, nous voulons célébrer tes merveilles. Seigneur, nous avons évolué avec tellement de mensonges que l'ennemi avait semé dans nos cœurs. Nous avions été tellement pollués dans nos cœurs, dans nos esprits. Nous avions été tellement déformés. Mais à cause de ton amour et à cause de ta grâce, Seigneur, tu nous as sanctifiés. Tu nous as libérés. Tu es venu libérer les captifs. Tu as dit, je suis venu libérer les captifs. Tu as dit, je suis venu annoncer une année de grâce. Et nous avons reçu ta grâce. Par la foi, nous t'avons reçu dans nos cœurs. Et nos vies ont changé. Tu as fait briller sur nous ta face. Seigneur, tu nous as fait sortir des prisons. Tu nous as fait sortir de l'ignorance. Seigneur, et la révélation de ta parole a accordé de l'intelligence à quelqu'un. Quelqu'un qui était esclave à cause de l'ignorance. Comment ne pas te louer ce matin? Comment ne pas te louer? Nous venons avec un cœur tellement reconnaissant, Seigneur. Nous avons vu comment tu as brisé nos liens. Nous avons vu comment, Seigneur, par ta face qui a brillé sur nous, comment tu nous as transformés. Comment tu nous as fait passer d'un état à un autre, Seigneur. Nous étions pauvres et tu nous as enrichis. Nous étions vides, Seigneur, et tu nous as remplis de toi. Tu nous as donné ta vie, tes capacités, tes dons. Seigneur, tu nous as donné des talents. Tu nous as donné, Seigneur, de pratiquer des choses que nous ne pouvions pas pratiquer par le passé. Nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur. Vraiment, tu nous as fait passer d'un état à un autre, Seigneur. D'un état à un autre, Seigneur. Les mensonges de l'ennemi dans nos vies qui nous condamnaient, qui nous bloquaient, qui nous limitaient, Seigneur, tu les as ôtés, Seigneur, tu les as ôtés. Nous étions fragiles, mais par ton esprit, tu nous as rendus.
Je sens
mérite la gloire. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu as le dernier mot, Seigneur. Oui, tu as le dernier mot en tout temps, en toutes circonstances. Et nous t'apprécions. Oui, nous t'apprécions, Seigneur. Oui, nous t'apprécions, Seigneur. Oh, Seigneur, oui, nous t'apprécions.
Tu es le plus beau des fils de l'homme. Parmi ceux qui sont beaux, tu es le plus beau. Parmi ceux qui sont saints, tu es le plus saint. Parmi ceux qui sont élevés, les anges, les archanges, tu es le plus élevé. Parmi ceux qui sont forts et puissants, tu es le plus fort, le plus puissant. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le Dieu des dieux. Tu ne reçois d'instruction de personne. Tu ne reçois d'orientation de personne. En toi, il y a toute sagesse et toute intelligence. Les animaux devant ton trône disent : toi seul es digne.
ton trône, pieds de ton trône. Seigneur, nous nous offrons à toi. Seigneur, nous nous offrons à toi. Nous venons avec tout ce que nous avons, nous venons avec tout ce que nous sommes pour te servir. Nous déposons à ton autel tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, que nous avons reçu de toi. Thank you.
Devant ta face, Seigneur, devant toi, ma
vie est entre tes mains. Ma vie entière t'appartient. Je ne veux voir que tes désirs manifestés à l'intérieur de moi. Parce que les deux Oh.
m'abandonne à toi. Je dis ma vie, je dis ma vie. Ma vie n'est plus à moi. Et t'appartient, Seigneur. Seigneur, ma destinée t'appartient. Entièrement, je m'abandonne à toi. Ma vie n'est plus à moi. Ma vie n'est plus à moi. En vérité, tu as pu prévu depuis avant la fondation du monde des œuvres que je devais accomplir, Seigneur. Alors je te dis, me voici. Je me livre pour faire ta volonté. Ma vie, ma vie. Je me livre pour faire de moi ce que tu veux. Qu'au travers de ma vie, Seigneur, toi seul sois vu. Toi seul sois glorifié. Toi seul sois célébré. Ma vie, ma vie n'est plus à moi. Je crois, Seigneur, que tu fais de moi une source de bénédiction pour ceux qui doivent revenir à toi. Mais pour cela, il faut que je me livre. Je me livre, ma vie n'est plus à moi. Non pas mes projets, non pas la poursuite de l'argent, Seigneur, mais la poursuite de ton cœur.
Sans rien retenir, sans rien.